Le ministre vient de nous dire que la MFR a accordé 101 licences à des joueurs étrangers. Et pour ensuite voir cette même MFA annuler le championnat de façon arbitraire. L'honorable ministre peut-il nous dire s'il trouve cela normal, cette façon d'annuler le championnat après avoir demandé, après avoir comme si permis à des équipes d'investir sur des joueurs étrangers de grosses sommes et pour finalement annuler le championnat alors que les autres championnats étrangers étaient stoppés à un certain moment dû à la COVID-19, mais qui ont repris par la suite, alors qu'à Maurice, le championnat est annulé. Monsieur le Président, la question est basée sur les licences et sur la sanction imposée de la FIFA. Et puis, de toutes les façons, Monsieur le Président, ce n'est pas à moi de trouver normal ou anormal qu'une ligue ait été arrêtée. Toutefois, si n'importe quelle équipe, n'importe quel joueur, n'importe quel athlète se sent lésé, il y a toujours recours à l'Ombudsperson for Sport. Éventuellement, si aucun accord est trouvé, l'affaire est référée au Sports Tribunal. Voilà la procédure. Ce n'est pas n'importe quoi, honorable Kirin, c'est ça la procédure.